Bonjour fans, bienvenue sur notre chaîne des nouvelles du football. Si vous êtes un fan de football, vous ne pouvez pas manquer nos vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos mises à jour. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Messi dépense 175 000 livres sterling sur 35 iPhones en or pour ses coéquipiers de la Coupe du Monde Argentine. Lionel Messi a offert à ses coéquipiers argentins et à son personnel des iPhones en or après leur succès en Coupe du Monde et a dépensé 175 000 livres sterling sur 35 appareils individuels. Messi a dirigé la nation vers la gloire de la Coupe du Monde en décembre alors que sa forme sensationnelle de buteur au Qatar a guidé l'Argentine à travers plusieurs matchs difficiles avant de battre la France au tir au but en finale. Le capitaine argentin voulait donner à ses collègues un souvenir personnel pour se souvenir de leur succès et a décidé que les smartphones personnalisés en or 24 carats étaient la voie à suivre. La star du PSG a fait livrer les téléphones portables dans son département parisien au cours du week-end et se chargera de les remettre aux personnes chanceuses qui devraient recevoir une nouvelle mise à niveau chic de leur combiné actuel. Le PDG d'Design Gold, Ben Lyon, a expliqué comment Messi l'avait approché pour concevoir un cadeau spécial après avoir triomphé au Moyen-Orient. Lionel n'est pas seulement la chèvre, mais il est l'un des clients les plus fidèles d'Design Gold et nous a contactés quelques mois après la finale de la Coupe du Monde, a-t-il déclaré au Sun. Il a dit qu'il voulait un cadeau spécial pour tous les joueurs et le personnel pour célébrer cette incroyable victoire, mais qu'il ne voulait pas du cadeau habituel de montre. Alors, j'ai suggéré des iPhones dorés portant leur nom et il a adoré l'idée. Chaque pièce de luxe arbore un design similaire à l'insigne de l'équipe d'Argentine avec les trois étoiles mises à jour, le nom du joueur et le numéro de maillot de l'équipe nationale, et les mots « champion de la Coupe du Monde 2022 ». Le bas du téléphone est gravé de la marque des fabricants et de la marque de service de luxe Patrick Group, mais on ne sait pas quelle a été leur implication dans le processus. Certains des mobiles dévoilés dans de courts extraits de médias sociaux montrent les conceptions des buteurs de la finale de la Coupe du Monde Messi et Angel Di Maria, tandis que les appareils personnalisés d'Alexis McAllister de Brighton et du gardien d'Aston Villa Emi Martinez ont également été exposés. L'entreprise derrière les mobiles semble être populaire auprès d'autres footballeurs qui aiment utiliser leur salaire à 6 chiffres pour acheter des produits de luxe. Neymar a été aperçu portant des écouteurs sans fil en or et Hakim Ziyech de Chelsea a investi dans un iPhone en or similaire. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse ton avis dans le commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, likez, partagez, et abonne-toi pour plus de contenu sur All Football Fans.